Carreau, va. Conduisez. C'est moi qui dis qui fait la passe à Caroline. Allez, conduisez. Continue, Caro. Allez, Lina, tu fais une passe à Caroline. Lina. Stella, conduis ton ballon. Occupe-toi que de ton ballon. Bah, il y a mes copains, je joue au foot, alors j'ai joué avec eux et après bah, j'ai appris avec eux, comme ça je joue au foot. Après j'ai demandé à jouer au foot, et bah, au début j'ai joué à FC Lyon et après je suis allée à l'OL. Allez, une vraie passe, prends-le, voilà. Bah, l'entraîneuse c'est une professionnelle, elle s'appelle Sandrine, bah, elle joue avec les pros filles. Bah, ça va, elle est gentille. Ce qui est bien, c'est qu'on fait tout le temps des tirs à l'entraînement avec elle. Ouais, voilà, c'est bien. Elle se penche bien pour la prendre. Allez, pas trop. Non, reste en retrait, elle ne peut pas te la donner sinon. Non ? Bien joué, Marco, voilà, c'est bien. Écarte. Hors-jeu. Et ouais. C'est ça, hors-jeu, c'est ça. Vas-y. Allez, viens sur moi. Viens. Stop. Là, t'es hors-jeu. D'accord ? Bah oui, parce qu'elle est toute seule. T'es derrière elle. C'est hors-jeu quand t'es derrière là-bas. Vas-y, va. Vas-y. Voilà, t'étais là. T'es hors-jeu là. Encore ? Pourquoi ? Recule. Comment je peux te la donner là? Tu supportes pas les critiques? Quoi? Tu supportes pas qu'on te dise que t'as mal fait? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, enlève le ballon. Non mais toi tu vas pas me fixer comme ça, parce que si tu vas me fixer comme ça, t'es fin. Allez, viens, voilà. Là je peux te la donner. Allez, fixe, encore va toute seule. Voilà, moi je reste en soutien pour que tu puisses me la donner. Voilà. Là, je demande une démonstration, tu me fais n'importe quoi, tu pars dans tes dribbles. Donc aussi, c'est la dernière fois, toi, d'accord? Sinon, tu vas au vestiaire. Allez, suivant. Prenez-moi un chauffeur. Va devant. Célina. Allez.
s'il y a un joueur bleu devant vous, un ou deux, on met le pied sur le ballon et on joue derrière. D'accord ? On joue tout ensemble en passe. D'accord ? Ok ? Quand il y a danger là, derrière, jouez avec Caroline. Hein. D'accord ? On a le droit, elle a le droit de la prendre à la main. Alors jouez avec Caroline. On va continuer à jouer en passe comme ça. Il n'y a que 2-0. Hein. Pas beaucoup. Faut pas prendre, on ne prend pas de but. D'accord ? À la fin du match, normalement, on doit serrer la main au joueur, bien jouer, ou il était bien, des trucs comme ça. On serre la main, les enfants, on serre la main. On serre la main, je dis. On a joué une fois contre un garçon, il a perdu, bah, il a pleuré, il nous a même pas serré la main. C'est obligé l'entraîneur qui a dû le tenir la main et qui nous serre la main, parce qu'il aime pas perdre. Ou autrement, ouais, tous les garçons serrent la main. T'as perdu, tu serres la main. D'accord ? T'as perdu, tu serres la main et tu te perds. Tu vas venir avec nous. T'as ta bouteille d'eau, non? Ouais, j'ai mis mon bout et ma bouteille d'eau. Fallait le dire. Deux, trois petits jambes là avant de partir. Oh là là. Patricia nous téléphone, elle dit ça a annulé ma parole, je suis dégoûtée de la vie. Ah, Pusignan, hein. D'accord, là je comprends mieux. Mais alors attends, Pusignan, tu vois ? Ah, c'est bon, on a repris le fil. Mais non, mais on retourne tout là-bas. Tout là-bas ? Et bon, on était avant. Ah non. Mais si ! Regarde. Peut-être raison, hein, je sais pas, mais on va voir. Ah ouais, j'ai dû rater quelque chose. C'est là-bas, Pusignan. Jamais Arias. C'est pas ici, c'est là-bas. Ouais. Hier, tu vois, je viens t'aider encore une fois. C'est bien. Ah, des fois, faut avoir l'œil. Hein. Donc, caserne des pompiers, tu vois, Lina, non ? Là, jouer une basse-cour. Villette Danton. Si, alors, stade de rugby. Ah, ça aurait pu être ça, hein. Bonjour.
premier vestiaire là. Bonjour. Bonjour. Si on est pressé, on peut jouer avec Caroline. Hein ? Elle lui fait une passe, elle la prend à la main, tout le monde se replace et elle dégage. D'accord ? Caro, tu me fais des bons dégagements ? Hein ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand Caro elle dégage ? Il faut être à la tombée du ballon. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Pas comme le dernier match qu'on a fait. Ou l'avant-dernier. D'accord ? Personne mettait les têtes là. Les garçons, ils vous mettaient par terre. Faut pas se laisser faire hein, par les garçons là. D'accord ? Comme à l'entraînement quand je vous fais des duels. Compris ? Allez, on y va. Allez, on trottine en attendant le ballon. Allez, voilà, on fait des talons-fesses, des pas chassés. C'est tout. D'accord ? Je vais faire ce que je vous ai dit. Allez, on se refait des passes là. Allez, faites-vous des passes, parlez-vous. Les 10 premières minutes, superbe.
superbe, on a marqué, on n'a pas reculé, et après, dès qu'on a marqué, vous êtes tous reculés. On a reculé de 10 mètres. 10 mètres. On défendait plus, on défendait dans nos cages. Donc là, vous êtes, en deuxième mi-temps, vous allez monter de 10 mètres, vous allez les faire jouer avant, chez elles. Chez elles. Pas qu'elles aient le temps de faire 4, 5 passes. D'accord ? Dès que vous les laissez jouer, vous voyez, elles vous ont planté deux buts. D'accord ? Et arrêtez, arrêtez de jeter. Romain, debout, en face d'elle, elle va pas te dribbler. Si tu te jettes, c'est trop facile. Elle a qu'à aller toute droite. Donc arrêtez de vous jeter. Il y a toujours 2-2, je veux pas qu'on se reprenne de but. C'est interdit. Et puis il faut mettre la tête là au milieu de terrain. Vous avez peur du ballon ? Hein ? Alors pourquoi tout le monde met les pieds ? Oh, mettez la tête quand il est en l'air, le ballon, avant qu'il tombe par terre. Il faut pas vous laisser faire, les garçons, ils vous poussent là. Ils vous poussent, s'il y en a qui poussent, vous aussi, il faut pousser. Il faut surtout écouter ce que je demande. C'est pas parce que t'as marqué un but que t'es la meilleure, Stella. D'accord ? Et que tu dois rester devant. Milieu de terrain, c'est milieu de terrain. Donc on attaque, mais on défend. Donc là, je te relaisse sur le terrain 5 minutes. Si tu défends pas, je te sors. Et tu re-rentres plus. Non, deux. Non, un, si. Elle était la première mi-temps. Mais non, mais j'en ai marqué un deuxième. J'en ai marqué deux. Deux. J'en ai marqué deux, alors moi aussi deux. Au début, il y avait ma petite cousine, elle avait décidé de faire de la danse et elle ne voulait pas y aller toute seule. Et puis j'ai dit, si tu veux, je fais de la danse avec toi. J'ai fait une année, ça ne m'a pas plu. Donc après, au début, avant, je jouais au foot à l'école. Et puis quand j'étais petite, je prenais un ballon, je faisais un jongle et je laissais tomber par terre. Et puis un jour, il y a mon tonton, il m'a dit qu'on jonglait pas comme ça. Puis j'ai commencé à jongler, j'ai commencé à bien jouer. Et puis ma maman ne voulait pas me mettre au foot. Et il y a mon oncle, il a dit qu'il y avait une détection pour savoir qui c'est qui va jouer, s'ils peuvent me prendre ou pas. Et ma maman, elle voulait me faire la détection pour me dégoûter, pour pas que je joue avec elle. Et puis finalement, j'ai été prise. Il y avait Stella, elle m'avait dit qu'elle allait au cage et puis elle a dit Sandrine de changer de goal. Et puis il y avait personne qui voulait faire une gardienne, donc j'ai levé la main et puis je jouais mieux que Stella, donc elle m'a mis une gardienne. Stop.
On n'est pas sur une PlayStation où tu la dribbles une fois, tu reviens, tu la dribbles une fois, tu reviens, comme samedi. Donc tu as dribblé une fois, tu l'as passé, donc tu tires. On n'est pas sur la PlayStation. Ou alors tu vas jouer, je sais pas, avec tes copines dans la rue. Et ben quand on fait quelque chose de mal, et ben c'est pas bien. Et pour elle, c'est pas bien, donc ça fait qu'elle nous gronde. Allez, l'OL féminin, c'est parti. Allez, elles sont belles. La chance, regarde. Allez-y, les filles. Non mais attendez, on garde sa tête quand même, hein. On a perdu, c'est pas grave. L'ordi, j'en ai marre d'être au cœur, je reviens là-bas dans les cales. Bon, vous allez faire la photo et avec le sourire même si vous avez perdu. Allez. Ah parce que la vie est continue. Allez Stella, on va faire la photo. Allez, on fait la photo. Allez, on boude pas les filles. Allez, oh. Stella, on bouge. On bouge pas. Un sourire, top. C'est bon, merci. Les filles, venez là, les filles. Venez là. Papa, je peux passer goal. S'il te plaît. Non, vous décidez pas d'abord. Faut arrêter de râler, déjà, entre vous. Je sais. Parce que vous allez mettre une mauvaise ambiance et c'est pas fait pour gagner des matchs, ça. C'est pas fait. Donc, au lieu de râler, essayez d'aller de l'avant, essayez d'être soudés. Et c'est comme ça, on avance ensemble ou pas du tout. On joue pas à la dinette, c'est fini la dinette. On joue avec des mecs. Donc, il faut les tenir. Non, je vais refaire l'équipe pour le prochain match. Nordine. T'es pas goal d'habitude. Nordine. Donc, moi j'en ai marre à chaque fois que je suis dans les cages et ben ils arrêtent pas, ils reviennent jamais quand les cages. Non, parce que vous avez perdu vos repères. Et il y en a une ou deux. Vous tenez pas votre place. Alors, du fait que vous tenez pas votre place, vous courez dans le vide. Vous faites 30 km pour rien. Alors, vous pourrez en faire 3 fois moins. Bon. Alors, celles qui ont des choses à dire, elles me disent. Bon, Caro, qu'est-ce que tu as à dire? Ils reviennent jamais. Moi, je veux dire un truc. C'est pour ça. Goal. Toi, tu veux être goal. Match, on peut pas aller en finale. Moi, je veux être goal aussi. Mais toi, tu veux être goal? Ouais. Bon. Non, moi, je veux être goal. Non, toi, tu vas aller au milieu, toi. Tu vas jouer. Moi, je peux aller au goal. Je vais mettre Stella au goal et Caro, elle va aller sur le champ. Mais moi, je peux jouer. Oui, oui, tu vas jouer. Moi, je vais jouer directement. Non, alors attends. Tu vas. T'as rien à faire dans les cages. Tu vas aller au milieu. Tu vas affronter les mecs, toi. Tu vas affronter les mecs. Tu veux plus les affronter? C'est ça? T'as plus envie de jouer? Eh ben, on rentre à la maison, hein. Eh!
on va affronter les mecs encore. On a 5 matchs à faire. Et dans les 5 matchs, on va gagner. On n'a pas le choix. Il faut gagner. Je peux être au milieu?